Un résultat net et chiffre d'affaires totalement en baisse chez Snapchat, c'est totalement négatif, ils font des dettes, je sais pas comment ils s'en sortent. Au niveau de leur passif en plus, il est plutôt élevé, autant que leur actif presque. Mais pourtant, il est passé ce graphique, c'est remonté à 10, donc on a fait plusieurs gains, j'ai encore plusieurs positions que je vais fermer de 11 à 12. Et voilà, Snapchat, je rappelle, qui arrête pas de descendre, enfin, qui aussi entre 10 et 12. Des fois, il descend vers les 7,5, remonte toujours à 10, 11, 12. Donc, par le passé, il y a un an, il était à 16 et il n'est jamais revenu à 16 par contre. Il atteint 13,5 des fois maximum.